نظمت المدرسة العليا للأساتذة التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والجمعية المغربية لعلوم الأحياء الدقيقة مؤتمر دولي حول موضوع استعادة خصوبة التربة تحدي عالمي وضرورة للمغرب، وذلك بمشاركة المعهد الوطني للبحث الزراعي الرباط. L'Académie Hassan II des sciences et techniques organise cette journée de travail et de réflexion sur la fertilité des sols, qui est un sujet extrêmement important, pas seulement pour le Maroc, mais aussi au niveau mondial. L'an dernier, d'ailleurs, a eu lieu une année internationale des sols qui était, disons, sous le parrainage de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, l'Académie organise cette année, en 2016, une série d'événements de ce genre, différents aussi d'autres types de réunions, parce qu'elle célèbre son 10e anniversaire. Elle a été en effet installée en mai 2006 au palais d'Agadir par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et à partir de ce moment-là, donc, nous nous sommes développés conformément à la loi qui a créé l'Académie et aux instructions royales. L'ENS de Rabat, qui est une composante de l'Université Mohamed V, se fait un plaisir d'accueillir aujourd'hui cet événement qui porte sur un thème très important pour le Maroc, considéré comme un pays agricole bien évidemment, et fier d'avoir investi dans un programme extraordinaire qui s'appelle Maroc Vert. Et bien évidemment, lorsqu'on parle d'agriculture, on ne peut pas se passer de la fertilité des sols. D'où donc ce thème auquel nous avons réuni plus de 60 chercheurs et experts du domaine pour débattre de la question et aboutir à des recommandations de nature à améliorer la production et améliorer par conséquent la rentabilité du secteur agricole pour le Maroc. Un secteur primordial parce qu'il contribue non seulement à améliorer les ressources nutritives du pays, mais également un secteur qui contribue efficacement disons à l'économie du pays, parce que l'agriculture, les produits de l'agriculture, dans une grande partie, sont destinés à l'exportation. Le thème général de notre journée, ça entre dans le cadre du 10e anniversaire de l'Académie Hassan II des sciences et techniques du Maroc et le 10e anniversaire de l'Association marocaine de microbiologie. Donc à cette occasion, et comme c'était prévu que ce congrès allait se faire en 2015, donc qui était l'année des sols, de la fertilité des sols, nous avons eu un léger retard parce que certains conférenciers, tels que le directeur de l'INRA, n'étaient pas encore disponibles, et le collègue qui nous vient de l'étranger, donc aussi bien du Sénégal que de l'Espagne, n'étaient pas encore disponibles. Ils ont été disponibles en cette période de février, ce qui fait qu'on a décalé en 2016, mais c'était l'année de la fertilité des sols. Donc ça tombait bien. Nous avons certaines potentialités nationales, donc qui travaillent sur le sol, les biofertilisants. Je pense que vous avez déjà assisté l'intervention du professeur Badraoui, qui est un spécialiste des sciences du sol. Il a donné une idée sur la carte de la fertilité à l'échelle nationale, donc tout à travers le royaume, et le nouveau logiciel qui est mis sur le web, donc qui est disponible à tout le monde. Donc c'est la page, je pense que vous l'avez noté tout à l'heure, www.fertimap.ma, etc. Donc l'essentiel de cette journée, c'est voir comment faire pour mieux gérer la fertilité des sols. Est-ce que c'est la gestion de ce qui est disponible, donc essayer de préserver les terres qui sont cultivées, qui sont arables, ou bien essayer de restaurer les autres. Et jusqu'à maintenant, l'idée générale, c'est qu'on commence d'abord par ce qui existe déjà, ce qui est bien, ce qui est exploitable, il faut le préserver. Et après, au fur et à mesure, on peut se lancer dans les zones qui sont plus difficiles. الافتتاح الرسمي للمؤتمر الدولي عرف حضور مجموعة من الباحثين والخبراء وطلبة وعدة شخصيات وطنية ودولية، وتمحورت أشغال هذا المؤتمر حول مجموعة من المواضيع والمتعلقة بتغير المناخ واستراتيجيات تحسين خصوبة التربة وأهمية المادة العضوية في التربة للزراعة المستدامة.